Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. Tous les matins, Christophe, Romain, dans le Mont Blanc Morning. En effet, jusqu'à 9h, le Mont Blanc Morning. On a le dossier du jour, Christophe. Un gros dossier. Oui, on a lu ça dans la presse. Un homme a été arrêté pour avoir fait l'amour à un matelas pneumatique. Il y a des barjots, hein. T'aurais pu la garder pour plus tôt. Voici l'histoire. Faites rentrer donc celui qu'on a dit qu'il faisait l'amour avec un matelas. Alors, c'est ça. L'action s'est déroulée aux États-Unis un matin, dans une ruelle derrière une maison. Selon un témoin, Edwin avait alors le pantalon sur les chevilles et semblait avoir une relation sexuelle avec un matelas pneumatique rose de piscine, qu'il venait de voler en plus. Lorsqu'il a été surpris, Edwin a pris la fuite, comme son matelas. Plus tard, lors de son interpellation par la police à son domicile, le pervers a reconnu les faits. Selon lui, il est fasciné par le plastique. Il aime ça. Il est actuellement en traitement. D'ailleurs, chez lui, les policiers ont retrouvé de nombreux matelas et ballons en plastique, ainsi que la discographie complète de Plastique Bertrand. Pour info, en 2002, hein, il avait été condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec une citrouille gonflable. Il y a des malades. Une citrouille gonflable et d'Halloween. Pourquoi il s'agissait pas de poupée gonflable, tout simplement? Il y en a. Je sais pas. Il met là. Elle est voilà. Voilà. Prochain épisode, bien sûr, nous étudierons le dossier de Patrick. Encore. Accusé d'avoir crié une autre à la fin d'un concert de Lara Fabian. À demain. 6h-9h sur Radio Mont Blanc. Christophe et Romain. Christophe et Romain. Mont Blanc Morning.